Dạ Xin mời. Vâng. dạ Sau đây xin kính mời giáo sư Lê Quang Cường điều hành tiếp hội nghị ạ. Xin mời giáo sư. vâng trước tiên là xin cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi tham gia và điều hành cái phiên họp mà của một hội nghị rất là quan trọng này. Tôi cho là đây hội nghị rất lý thú. Và cái bài báo cáo của anh Tuấn vừa rồi thì tôi thấy cũng rất hay. Và anh Trương nói là anh Tuấn nói thẳng thắn nha, tôi nghĩ là anh Tuấn vẫn nói, còn nói nhẹ. Chứ chúng ta cũng rất nói rằng trong thời gian tới là anh Tuấn cũng sẽ cùng phối hợp với chúng ta làm thế nào đó để cho các nghiên cứu ở trong nước càng ngày nó càng nâng được lên một cái bậc mức cao hơn và có thể đăng được nhiều bài báo hơn ở quốc tế. Sau đây tôi xin giới thiệu về bác sĩ Pierre Gia-Long. Thì trước khi giới thiệu về bác sĩ Gia-Long thì tôi xin nói vài câu, tức là bác sĩ Gia-Long là một trong những chuyên gia ngoại quốc mà gắn bó với Việt Nam từ khoảng 20 năm nay rồi. Và tôi cũng may mắn là được một trong những học trò Việt Nam đầu tiên của ông từ cách đây 19 năm khi tôi sang học ở Geneva. Bác sĩ Gia-Long là đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề phát triển cái ngành động kinh của Việt Nam cùng với một số những chuyên gia nước ngoài khác, và đặc biệt với cái trình độ về điện não đồ, là chuyên gia về điện não đồ, thì bác sĩ Gia-Long đã tổ chức được nhiều khóa đào tạo, đặc biệt là khu vực phía Nam. Và từ đó, thông qua những khóa đào tạo đó thì cái trình độ phiên giải điện não đồ của chúng ta càng ngày càng chuẩn mực hơn, và tôi cho rằng nó đóng vai trò không nhỏ trong vấn đề nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh nhân động kinh. Thì sau đây tôi xin phép được giới thiệu bác sĩ Pierre Gia-Long sẽ trình bày về động kinh sau đột quỵ. Xin mời ông Gia-Long. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends bien. Je vous remercie de m'avoir invité à cette grosse réunion et pour parler d'un sujet qui n'est pas d'actualité, qu'on connaît depuis de longues dates et qu'on appelle en anglais post-stroke epilepsy, c'est-à-dire les crises épileptiques et les épilepsies qui vont suivre un accident vasculaire cérébral. C'est la définition qui est habituellement utilisée pour parler donc des crises qui sont en relation soit avec un accident hémorragique, soit avec un accident ischémique. Et dans les accidents ischémiques, il ne faut pas oublier les accidents veineux dont je parlerai en fin de conférence. Alors, il faut être très clair. Il y a en fait deux grands types de crises épileptiques qui surviennent dans les suites d'un accident vasculaire cérébral. Les premières sont ce qu'on appelle les early seizures, les acute symptomatic epileptic seizures, c'est-à-dire que ce sont des crises provoquées et qui sont en relation étroite, on verra tout à l'heure, avec l'accident vasculaire, qu'il soit hémorragique ou ischémique. Et puis, il y a ce que l'on appelle les crises tardives, qui surviennent dans les 6 mois à 1 an suivant l'accident vasculaire cérébral, et qu'on appelle les crises non provoquées, en rapport avec le stroke, et qui ont une tendance, et bien sûr, à la répétition, et qui posent le problème d'un éventuel traitement préventif de ces crises. Alors, il y a d'autres des notions qu'il faut bien comprendre par rapport à l'accident vasculaire cérébral, à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, il y a ce qu'on appelle les pre-stroke seizures, c'est-à-dire que ce sont des crises qui vont précéder l'accident vasculaire cérébral. Alors, il est bien évident, je reviendrai sur cet item, il est bien évident que le diagnostic est un petit peu difficile de pouvoir attribuer une crise qui est survenue plusieurs années avant le traumatisme, avant l'accident vasculaire cérébral et annonçant un peu donc cette crise, cette épilepsie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on distingue les crises précoces qui représentent 70% de ces crises post-stroke. Ces crises surviennent surtout dans les 24 premières heures, mais les recommandations de la Ligue internationale doivent prendre en compte, nous demandent de prendre en compte la semaine qui précède, qui suit l'accident vasculaire cérébral. Et puis, comme je viens de vous le dire, des crises tardives
qui sont des crises d'épilepsie, puisqu'il y a une lésion qui explique la survenue et la récurrence des crises qui surviennent dans les 6 à 12 mois. Et dans ces cas, il y a, et bien sûr, tout le problème de l'épileptogénèse. Et dans cette épileptogénèse va intervenir la survenue de ces crises précoces. Est-ce qu'elle facilite, oui ou non, la survenue des crises tardives? Because I have a lot of So you get now, you get now. You ready? Yeah, this is locked. So you can speak on this or not? Okay. It's not mine. Oh, putain, ça marche plus. Ông nói cái bài này thì không có đúng cái bài ông muốn nói, nhưng mà thôi được rồi, thì ấy thì cứ nói bài này cũng được. So you speak on that? So I go on. Yeah, go on. Bon, je m'excuse pour cette interruption. Donc, je parlais des crises précoces et des crises tardives. Je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie de ces crises, mais il est clair que les crises symptomatiques sont en rapport avec la sécrétion d'acides aminés excitateurs et la diminution des mécanismes inhibiteurs. Il y a un rôle indiscutable de l'hémoglobine qui est épileptogène, et on verra que ces crises post-stroke sont beaucoup plus fréquentes dans les accidents hémorragiques. Et dans les crises tardives, eh bien, c'est un peu le schéma que l'on voit dans les crises post-traumatiques, c'est-à-dire que va intervenir d'une part la zone cicatricielle et d'autre part les dépôts d'hémosidérine. Ah, mais je ne peux pas avancer. Tu avances la slide. Voilà, alors, il y a eu énormément de travaux dans la littérature concernant la fréquence de survenue de ces crises. On ne peut pas, bien sûr, les résumer ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, vous le voyez, lorsqu'on avait des reculs qui étaient de quelques mois, on avait surtout des crises symptomatiques qui étaient relativement importantes, avec des chiffres qui tournaient autour de 2 à 3%. Et puis, c'est surtout quand vous aurez ce tableau, c'est les enquêtes prospectives des dernières années avec des cohortes qui sont quand même relativement importantes, et bien, et surtout avec un recul de plusieurs années, et bien, on peut estimer un pourcentage de survenue de ces crises post-stroke. Diapositive suivante. Alors, ces crises interviennent d'une manière indiscutable sur la fréquence des crises survenant chez le sujet âgé. Ici, vous avez par exemple l'étude de Rochester chez les sujets de plus de 65 ans. Eh bien, on voit que les accidents vasculaires cérébraux représentent près de 63% des crises qui surviennent à cet âge-là. La suivante. Et on retrouve ceci dans les enquêtes épidémiologiques descriptives. Ici, vous avez l'enquête d'Alan Hauser en 1993 qui montrait parfaitement bien la courbe rouge, qui montrait parfaitement bien cet aspect en deux parties, une part au niveau de chez l'enfant et surtout chez le sujet âgé, avec une incidence cumulative, vous le voyez ici, qui est pratiquement de 8 à 10%, qui fait dire que les accidents vasculaires cérébraux sont quand même, expliquent très largement la fréquence de l'épilepsie chez le sujet âgé. La suivante. Alors, la suivante. Alors, il y a un certain nombre de... Encore, dites. Voilà, encore. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui vont expliquer la survenue de ces crises post-stroke. Vous les connaissez, je ne rentre pas dans les détails.
elles sont bien sûr en rapport avec la sévérité du stroke. Et on va le voir beaucoup plus fréquemment dans les accidents hémorragiques, beaucoup plus fréquemment lorsqu'il y a des symptômes corticaux, et plus l'ischémie est élargie, plus le risque de crise est important. Ce qui est frappant aussi, c'est que c'est surtout la circulation antérieure, les accidents de la circulation antérieure, proches finalement de Rolando, qui vont donner le maximum de crise. Et comme j'en parlais tout à l'heure, il faudra se poser la question du rôle des crises précoces dans la survenue des crises tardives. Alors, quand on regarde les travaux un peu plus récents, ceux de Ferlazzo en 2016 et celle de Carolina Ferreira Atuesta en 2021, eh bien, on s'aperçoit que la reperfusion médicale ou chirurgicale, finalement, va relativement peu intervenir sur la survenue de ces crises. Alors, je me suis basé, du point de vue épidémiologique, sur l'étude des facteurs de risque, sur ces deux travaux. Quand on voit la diapositive suivante, quand on voit, par exemple, le rapport qu'il y a entre l'implication corticale, on voit très, très bien sur la colonne de droite ici, plus le cortex est concerné, plus, et bien sûr, on aura une fréquence élevée des crises. Donc, plus on aura un accident cortical proche du cortex, plus le risque de crise est important. Diapositive suivante. Elle concerne donc, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, et vous voyez qu'il y a énormément d'études qui ont été faites à ce sujet-là, que les accidents hémorragiques, on le voit très très bien ici sur le graphique, que les accidents hémorragiques augmentent passablement le risque de survenue des crises. Vous le voyez que dans pratiquement toutes les études sauf deux, on voit que le risque est augmenté d'une manière considérable. La diapositive suivante. La suivante. Et là, le rôle des crises dont je vous parlais tout à l'heure, ces crises précoces qu'on appelle les crises symptomatiques aiguës, vous le voyez, là aussi, peu d'études ont quand même fait le rapport. Il y en a un certain nombre qui montrent que, là aussi, elles jouent un rôle indiscutable dans la survenue des crises tardives. La suivante. Alors, dans le travail plus récent de Carolina Ferreira Atuesta, qui est dans un des derniers sorties de Annals of Neurology, elle a donc étudié d'une part les crises symptomatiques aiguës et d'autre part les crises remote, les crises non provoquées. Alors, les crises symptomatiques aiguës, vous voyez qu'elle a une cohorte qui est extrêmement importante, qui a été faite dans plusieurs pays d'Europe et qui a regroupé 4229 malades d'un âge moyen de 71 ans, dont 57% étaient des sujets de sexe masculin. Alors, le risque est augmenté d'une manière indiscutable dans les accidents les plus sévères et, vous le voyez, survenant dans la région postérieure. Plus les accidents sont sur la région postérieure, plus le risque de crise provoquée est important. Bien sûr, ça concerne les artères artérosclérosées de diamètre important, alors que les petits vaisseaux ne donnent pas, en règle générale, de crise symptomatique aiguë. La fréquence évaluée dans ce gros travail des acute symptomatic seizures, c'est-à-dire des crises provoquées, survenant dans la première semaine après l'accident vasculaire cérébral, est environ de 5%. La suivante, les crises maintenant provoquées, c'est-à-dire les crises qui surviennent 6 mois, 12 mois après l'accident vasculaire cérébral, vous le voyez, représentent 6%, avec, vous le voyez, des facteurs de risque que l'on a déjà vus ensemble, qui sont exactement les mêmes. Intéressant est le travail qu'ils ont fait avec l'électroencéphalogramme dans les 7 jours qui ont suivi le stroke. Eh bien, il semble que
qu'il y ait des anomalies sur l'électroencéphalogramme ne semble pas influencer la fréquence des crises tardives, ce qui est un petit peu curieux. Et de même, comme je vous le disais tout à l'heure, les traitements de reperfusion médicale ou chirurgicale de thrombectomie ne semblent pas intervenir sur la fréquence des épilepsies post-stroke. La suivante. Alors, ce que je voudrais dans la deuxième partie de ma présentation, c'est montrer que les crises, vous connaissez la sémiologie, bien sûr, des crises, mais que dans le cadre de ces crises en rapport avec l'accident vasculaire cérébral, eh bien, on va avoir un certain nombre de crises qui ont quand même une sémiologie qui est très particulière. Je n'insiste pas, bien sûr, sur les crises de l'aire motrice qui vont donner des crises tout à fait évidentes, qui ne poseront aucun problème diagnostique. Mais on verra que dans les crises pariétales, par exemple, eh bien, qui sont aussi symptomatiques, eh bien, quelquefois, le diagnostic est difficile à faire. Alors, les premières, c'est les crises précursives. J'y reviens, la suivante. Alors, ces crises précursives, elles ont été décrites surtout par les auteurs allemands, et par définition, ce sont donc des crises qui annoncent ou qui vont précéder la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Et il est bien évident qu'il est extrêmement difficile dans ces cas-là de faire le diagnostic avec un accident ischémique transitoire. Et la belle étude de Zelano, qui s'est passée en Suède, a montré quand même que chez les sujets âgés de plus de 60 ans qui ont présenté un stroke, eh bien, dans environ 1,5%, ces patients avaient présenté des signes prémonitoires sous la forme de crises partielles qui pouvaient annoncer donc la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître, que donc certaines crises, en particulier des crises partielles, peuvent annoncer chez le sujet âgé. Vous le voyez, dans les patients qui ont plus de 60 ans, chez les sujets âgés, eh bien, on peut avoir des crises qui peuvent annoncer l'accident vasculaire cérébral. La suivante. L'état de mal épileptique dans le post-stroke. Ça, c'est un phénomène qui est relativement fréquent. Vous le voyez, dans 1% à peu près de tous les accidents vasculaires cérébraux. Et surtout, elle représente 5 à 20% des épilepsies tardives. Mais on le voit aussi dans les crises précoces. Et là où le diagnostic est difficile, c'est quand cet état de mal convulsif, non convulsif, se présente sous la forme d'un syndrome confusionnel. Ce qu'il faut savoir, et je crois que c'est la diapositive suivante, oui, celle de Monsieur Rumbach, du travail de mon ami Rumbach, qui avait montré que donc c'était surtout des crises précoces, que vous le voyez, il avait quand même individualisé 19% d'état de mal, mais il parlait surtout d'état de mal convulsif, et vous le voyez, le résultat ne se fait pas attendre. 15 patients, vous le voyez, près de 50% sont morts des suites de cet état de mal. Donc, l'état de mal convulsif est indiscutablement un signe de gravité de la situation. La suivante. Alors, beaucoup plus difficile à diagnostiquer, c'est l'état de mal confusionnel qui est apparemment isolé. Et si on ne fait pas d'électroencéphalogramme, eh bien, on ne verra jamais la survenue de cet état de mal. C'est Dereck, en 1980, qui a déjà montré que chez une centaine de patients, eh bien, on pouvait trouver ce que l'on appelle maintenant les LPDS, qui on appelait autrefois les PLEDS, c'est-à-dire une activité paroxystique périodique, qui a la particularité, regardez bien sur cette diapositive que j'ai encerclée de rouge, vous voyez que les graphoéléments sont très particuliers, qu'on a un aspect un petit peu sinusoïdal, un petit peu en polypointe, vous voyez, qui sont ici, et sur lesquels Reyer avait parlé
de plaids plus, voyez, plaids plus, que l'on voit très fréquemment donc dans cette pathologie vasculaire et qui, bien sûr, demande de faire un test diagnostique aux benzodiazépines qui fait disparaître les anomalies paroxystiques et surtout, surtout, fait disparaître le syndrome confusionnel. La suivante. Oui, alors j'en avais mis un autre cas, tant pis. Alors, une autre présentation qui est très particulière de ces crises en rapport avec un stroke, c'est ce qu'on appelle les crises motrices focales inhibitrices. Ce sont des crises qui vont se présenter comme un déficit extrêmement brutal qui va être localisé soit au membre supérieur, soit au membre inférieur, soit à type d'hémiplégie et qui vont se durer un certain temps où le patient va accuser une hémiparésie beaucoup plus importante que la parésie qu'il présente habituellement. Donc, ce sont des crises négatives. Et ça, c'était très, très curieux comme phénomène. Et il faut savoir qu'elles s'accompagnent habituellement de décharges épileptiques tout à fait caractéristiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles ne sont non douloureuses en règle générale et qu'elles sont sensibles aux benzodiazépines. Donc, vous pouvez très bien faire chez un sujet qui vous dit « j'ai de temps en temps une aggravation que je ne m'explique pas de mon déficit droit ou gauche », eh bien, il faut savoir penser à ces problèmes de paralysie ictale qui sont tout à fait différents de la paralysie de Todd. La paralysie de Todd survient au cours d'un phénomène convulsif. Ici, il n'y a pas de phénomène convulsif, donc hein, c'est un déficit particulier qui s'installe au cours de l'évolution de la maladie. La suivante. Suivante. Alors, voilà, ça, c'est un exemple que je voulais vous donner. La suivante. Voilà, d'un patient qui présente un foyer ici entre F4 et C4 d'une activité de type paroxystique avec des ondes lentes, mais on voit aussi donc des activités de pointe. La suivante, et le diagnostic donc est en rapport, vous le voyez, avec des anomalies que l'on voit parfaitement bien ici au niveau de l'IRM et ici au niveau du SPECT à l'HMPAO qui montre parfaitement bien la zone épileptogène en rapport avec cette crise inhibitrice. C'est donc un phénomène très particulier, un phénomène épileptique négatif, ce qui est quand même peu fréquent. La suivante. Ah oui, j'en avais donné un autre exemple, tant pis. Bon, alors, un autre aspect très particulier des crises qui ne sont pas en rapport avec forcément un stroke, mais qui est en rapport avec ce qu'on appelle l'hyperglycémie non cétosique, et qui est connu, une centaine de cas ont été publiés depuis le rapport de Macario en 1965, et ce sont des crises extrêmement particulières qui se présentent sous la forme d'une épilepsie partielle continue au niveau du membre supérieur ou au niveau du membre inférieur, et qui sont souvent, très souvent, provoquées par le mouvement. C'est très, très curieux comme phénomène. Ce sont des crises provoquées par le mouvement et qui restent extrêmement distales. Distales, le patient, souvent, vient vous dire, regardez, je peux provoquer mes crises. Il les provoque en stimulant son poing et on voit apparaître des phénomènes moteurs, mais qui restent extrêmement localisés et dans la partie distale. Néanmoins, comme vous le voyez, nous avons eu l'occasion de voir un état de mal giratoire chez une vieille dame que j'avais examinée en Tunisie et qui présentait des crises giratoires extrêmement particulières. Alors, ces crises plus importantes comme les crises giratoires ou comme les crises d'hémibalisme ou de bibalisme peuvent être vues en particulier chez l'enfant. Mais souvenez-vous bien que ces états de mal partiels moteurs très localisé, vous devez penser à une hyperglycémie non cétosique, car dans ce cas-là, c'est seule la rééquilibration du diabète qui permettra de faire le diagnostic et bien sûr le traitement. La suivante.
Voilà, oui, ça c'est simplement pour vous montrer une image donc de cet état de mal partiel continu qui peut avoir des images tout à fait similaires sur l'IRM. La suivante. Alors, je vais terminer sur certaines crises auxquelles il faut penser, et en particulier chez les jeunes femmes qui prennent la pilule anticonceptionnelle et qui peuvent être symptomatiques d'une thrombose cérébrale veineuse. Alors, dans ce cas-là, les crises précursives dont on a parlé tout à l'heure sont extrêmement fréquentes. 40%, donc il faut y penser. Chez une jeune femme qui présente une crise de nature inexpliquée, il faut penser à ce qu'elle est peut-être en train de faire une thrombose cérébrale veineuse, et donc le diagnostic sera amené par l'IRM pratiqué en urgence. Donc, vous voyez que c'est un phénomène qui est important à connaître, ces phénomènes précursifs, en particulier chez la jeune femme. Et puis, vous avez des crises qui surviennent précocement dans les semaines qui suivent l'installation de cette thrombose cérébrale veineuse et qui donc sont en rapport avec cette lésion supratentorielle. Et là aussi, donc, il faut le connaître, ça représente quand même 7% des malades qui présentent une thrombose cérébrale veineuse. La suivante. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la sémiologie de certaines crises. Et pour terminer, je vous donnerai deux éléments du traitement. On n'a pas de miracle dans ces crises de post-stroke. Elles sont souvent, hélas, résistantes au traitement. Il faut éviter quand même la carbamazépine ou l'oxcarbamazépine qui, vous le savez, peuvent donner des troubles du rythme cardiaque et qui, donc, est à éviter, bien que ce soit souvent des crises partielles. Alors, le problème est de savoir quel médicament est donné, la suivante. Alors, on a maintenant, bien sûr, avec les nouveaux antiépileptiques, la possibilité de donner des médicaments qui ont peu d'effets secondaires. Car ces patients sont souvent des patients âgés qui prennent déjà beaucoup de médicaments et donc leur donner en plus soit du dépakine, soit de la lamotrigine, soit un autre médicament et bien sûr risque d'entraîner la survenue d'effets secondaires importants. Alors, moi ce que je propose en ce moment, actuellement, puisqu'on a un médicament qui a peu d'effets secondaires, qui n'est pas métabolisé et qui finalement marche très bien, c'est le lévitiracétam. Mais il y a deux études qui ont montré qu'il avait une excellente tolérabilité et surtout une excellente efficacité. Donc voilà, le problème est de savoir quand faut-il donner ce traitement. Il faut le donner sûrement dans les crises tardives pour éviter que d'autres crises surviennent. Le problème, c'est les crises précoces. Est-ce que le fait de présenter une ou deux crises précoces doit entraîner la prescription d'un traitement préventif? Aucune étude, à ma connaissance, ne permet de dire que, à la suite de crises provoquées, donner un traitement, oui ou non, empêche d'avoir des crises tardives. C'est une étude qui est extrêmement difficile à faire et, à mon avis, pour l'instant, qui n'a pas de raison d'être. La suivante, qui est ma diapositive de conclusion, je pense qu'il faut appuyer. Donc, retenez que c'est une épilepsie qui est relativement fréquente, aux environs de 2% dans les, vous vous souvenez, les premières publications, mais qui semble tourner plutôt autour de 6%. Et à mon avis, en tant qu'épidémiologiste, je pense que ce chiffre est sous-estimé, car on a vu que certaines présentations, comme l'état de mal non convulsif confusionnel, comme l'état de mal partiel moteur, comme certaines crises inhibitrices, peuvent bien sûr passer totalement inaperçues. Donc, bien faire la différence entre crise provoquée et crise non provoquée, et comme je vous l'ai dit, la suivante, donc cette post-stroke épilepsie intervient très largement pour expliquer la survenue des épilepsies du sujet âgé. La suivante.
Ça concerne voilà, les facteurs de risque, donc on les a vus ensemble. Pensez aux crises précursives, surtout dans le cadre d'une éventuelle thrombose veineuse. Et donc, comme je vous l'ai dit, le traitement, on n'a pas de miracle particulier, mais avec les nouveaux antiépileptiques qui sont beaucoup mieux tolérés, il faut quand même pouvoir mettre en route ces traitements. Voilà. La suivante est simplement pour vous remercier de votre attention. Suivante. Encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Xin cảm ơn ông Gia Long đã cho chúng ta nghe một cái bài nói về động kinh sau tai biến mạch máu não, mà có lẽ là từ trước đến nay những thông tin về động kinh sau tai biến thì rất là mơ hồ và rất là đơn giản, rất là ít. Hôm nay chúng ta được nghe một bài tương đối là thông tin tương đối khá chi tiết và có nhiều những cái hiểu biết mới. Thì rất là cảm ơn giáo sư Gia Long đã cho chúng ta bài nghe hết sức là bổ ích. Sau đây xin nhường lời cho Lộc. Oui, je t'écoute. Il y a des questions pour toi. Vâng. Dạ, xin mời thầy ạ. Tôi là bác sĩ Thông ở từ Hà Nội và hiện nay tôi đang ở Trà Vinh ạ. Xin kính chào giáo sư Pierre Gia Long. Tôi rất thích cái bài báo cáo của ông và rất thú vị. Tôi xin hỏi ông hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là trong đó là làm sao để mà phân biệt được giữa một cơn co giật do đột quỵ và động kinh hoặc là động kinh do đột quỵ khi không có điện não. Bởi cái này nó liên quan rất nhiều đến vấn đề chúng tôi là tiên lượng là một, cái thứ hai là có dùng thuốc dự phòng hoặc điều trị động kinh ngay trong giai đoạn đầu không, và trong cái đột quỵ thì nếu có co giật ban đầu thì không thể dùng thuốc tiêu khối. Cái vấn đề này làm sao để phân biệt được hai cái này trong khi không có điện não là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là ông có nói hôm nay tôi rất thú vị vì ông có đưa một cái vai trò của hemosiderin, nó là cái rất là mới. What you say, darling? Em ơi, thầy không có nghe. Đợi xíu nha. Ông có nghe không ạ? Dạ, để em nói tiếng tiếng Pháp. Dạ. Il y a des questions, Dr. Thông, vient de Hà Nội, te pose deux questions. La première, c'est comment on peut différencier une crise causée par une AVC au moment de survient une AVC par rapport avec une épilepsie post-AVC. Parce que en pratique, on voit souvent des patients hospitalisés avec des symptômes de AVC, mais avec une crise épileptique. Et si là, en ce cas-là, c'est une contre-indication de faire une thrombolyse. Câu thứ hai, hôm nay ông có đưa ra một cái khái niệm về vai trò của hemosiderin. Thì tôi muốn hỏi ông đó. Cho biết rõ hơn về cái vai trò của hemosiderin và cái khối chèn ép của khối máu tụ đến vấn đề mà động kinh, thì hai cái nào nó đóng vai trò quan trọng hơn ạ? Vâng, xin cảm ơn. La deuxième question, à mon avis, la survenue d'une crise épileptique précoce, c'est-à-dire une crise provoquée, ne contre-indique pas la reperméabilisation, en aucun cas. Xin trả lời câu hỏi của thầy Thông, là theo ý kiến cá nhân của thầy là những cái cơn động kinh sớm hay còn gọi là cơn động kinh triệu chứng cấp tính á, thì nó không phải là chống chỉ định của cái tiêu sợi huyết. Ok, la deuxième question. La deuxième question, c'est tout à l'heure, tu as débordé le drone de hemosiderin dans la physiopathologie de survient des épilepsie post-AVC, et il se pose, est-ce que le rôle de hématome qui compresse le cerveau, est-ce que qui donne la conséquence de AVC post, épilepsie post-AVC? Oui, bon, dans l'effet de masse, lorsque dans un accident hémorragique, par exemple, l'effet de masse peut effectivement être à l'origine, en particulier, des crises précoces. Mais par la suite, par exemple, un hématome relativement bien limité, et même qui a été opéré, eh bien, des dépôts d'hémosidérine aux alentours de la cicatrice peut très bien expliquer la survenue de crises tardives. C'est une supposition, ça n'a jamais été prouvé, hein. C'est une supposition. Et
lorsqu'on fait le lorsqu'on enlève un hématome, on fait toujours attention de voir s'il n'y a pas de dépôt, mais finalement, on ne les voit pas, les dépôts d'hémosidérine. Donc, c'est une supposition de la survenue des crises. Dạ, liên quan đến hemosiderin cũng như là khối máu tụ thì thầy trả lời là những cái trường hợp mà bị xuất huyết não rồi sau đó có máu tụ trong não nó gây ra cái hiệu ứng khối đó, thì đó là cái yếu tố nguy cơ gây ra những cái cơn động kinh sớm hay gọi là cơn động kinh triệu chứng cấp tính, và thậm chí sau khi chúng ta mổ lấy khối máu tụ đó ra thì sự lắng động hemosiderin đó nó dù là người bác sĩ phẫu thuật đã cố gắng tìm và đã không cố gắng không có để lại máu gì xung quanh, nhưng mà sự lắng động hemosiderin nó vẫn còn và nó sẽ gây ra những cái cơn động kinh muộn sau đó, và có một sự chồng lấp giữa vai trò của hemosiderin cũng như là cái sự lắng động cái tổn thương do sẹo, những cái vết sẹo được hình thành do tai biến hoặc do phẫu thuật thì nó gây ra những cái động kinh muộn. Tôi xin hỏi giáo sư Piazzano hai câu hỏi. Em có nghe thấy không nhỉ? Dạ, dạ, em nghe ạ. Vâng, câu hỏi thứ nhất. Vâng. Cái cơn động kinh sau đột quỵ ấy, hầu như nó không khác, công việc trước đột quỵ ấy, hầu như nó không khác gì một cái cơn thiếu máu thoáng qua. Vậy thì vấn đề chẩn đoán phân biệt của hai cái như thế nào? Bởi vì cách xử lý chúng ta khác nhau. Cái thứ hai nữa, các động kinh trước đột quỵ ấy, thì cái việc chỉ định điều trị có khác gì cái động kinh thông thường hay không? Pierre, Professor Chương, te poser deux questions concernant les crises précursives. Premièrement, c'est est-ce que les crises précursives, comment on peut distinguer avec les crises précoce. Đúng không ạ? Thầy Chương, em xin phép hỏi lại là những cái cơn sớm, cơn tiểu bào thông qua và cơn động kinh trước được. Comment on peut distinguer les crises précoces avec les TIA? Oui, c'est j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que c'est le gros problème de savoir s'il s'agit d'un accident ischémique transitoire ou s'il s'agit d'une crise. Mais en règle générale, ces crises précursives, ce sont des crises qui sont soit sensitives, soit sensitivo-motrices. Et un accident ischémique transitoire se manifeste rarement par des phénomènes moteurs de type excitateur. Un accident ischémique transitoire, ça donne un déficit, ça donne rarement quand même un phénomène de type convulsif. C'est vrai que c'est un diagnostic différentiel extrêmement difficile. Là cái chẩn đoán phân biệt giữa một cái cơn sớm, cơn cảnh báo của đột quỵ với cái cơn thiếu máu não thì đúng là trên thực hành nó rất là khó để chẩn đoán. Tuy nhiên nói về cái cơn sớm, cơn cảnh báo đó là biểu hiện của nó thường là biểu hiện về triệu chứng cảm giác hoặc là cái cơn vừa cảm giác vừa vận động, do đó là một cái cơn dương tính. Còn những cơn TIA, cơn thoáng thiếu máu não thường là nó là triệu chứng âm tính gây yếu liệt hoặc là khiếm khuyết về cảm giác, cái hiếm khi nào nó gây ra những cái triệu chứng dương tính. Vừa nãy ông cũng nói được cái cơn ức chế vận động cục bộ ấy. Một dạng liệt như thế thì nó cũng dễ nhầm đúng không ạ? Dạ. Vâng, cái câu hỏi thứ hai là cái chỉ định điều trị của cái cơn động kinh tiền đột quỵ có gì khác cái khác? Vâng. La deuxième question c'est l'indication de traitement pour les crises précursives. Est-ce que c'est différent avec les autres crises? Les crises précursives. Quand on fait le diagnostic d'une crise précursive, c'est vraiment y penser. C'est finalement un sujet âgé ou même un sujet jeune qui va présenter une crise qui est souvent une crise partielle et souvent une crise partielle motrice. Donc, maintenant, ces crises précursives, elles sont bien bilantées. On va faire un bilan avec un électroencéphalogramme, comme je vous l'ai montré, avec une IRM, et on fait donc le diagnostic éventuel de ces crises précursives. Mais
ce qui va faire le fait que c'est une crise qui sont en rapport avec l'accident vasculaire, c'est la répétition des crises avant la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Et la stéréotypie et des manifestations sémiologiques. On est bien d'accord. Pour parler de crise précursive, c'est toujours le même type de crise qui va se répéter plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant. Yeah. Nói về những cái cơn mà gọi là cơn cảnh báo thì phần lớn những cái cơn này là những cái cơn cục bộ vận động. Do vậy trước những cái đối tượng mà chủ yếu là những người lớn tuổi hoặc là những người phụ nữ trẻ tuổi mà bị những cái cơn động kinh cục bộ vận động này thì chúng ta cần phải nhanh chóng thực hiện cái bi lăng để chẩn đoán các nguyên nhân, ví dụ như làm điện não đồ hoặc là làm MRI để tìm cái nguyên nhân của những cơn động kinh này. Còn nói tới những cái cơn được định nghĩa là cái cơn precursive, cái cơn cảnh báo đó, thì những cái cơn này phải lặp đi lặp lại cùng có tính chất định hình, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian thường là vài tuần thì mới gọi là cơn precursive. Em bổ sung cái câu trả lời của thầy Shalom hồi nãy để trả lời câu hỏi của thầy về cái chỉ định điều trị của những cơn mà cảnh báo đó. Thì thầy, em xác nhận với thầy, thầy cũng nói là những cái cơn cảnh báo này chúng ta điều trị cũng giống như những cơn động kinh triệu chứng cấp tính. Nếu có chỉ định thì chúng ta sẽ điều trị giống như vậy, còn nếu không thì không điều trị. Mà điều quan trọng là đối với những cơn precursive này là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân gây ra nó là gì. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn Phương Lộc nha. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ các cái kinh nghiệm cá nhân trong việc nghiên cứu khoa học. Thưa các thầy, các anh, các chị, cái phiên 4 của chúng ta đã vượt quá thời gian 10 phút, cũng có lý do khách quan là phiên 3 lần sau một tí. Rất cảm ơn các báo cáo viên đã cung cấp những cái thông tin rất là bổ ích, rất là mới cho những cái nội dung và rất là đáng quan tâm trong thời gian hiện nay. Cảm ơn Phương Lộc và cảm ơn giáo sư Cường đã tham gia điều hành phiên 4. Bây giờ quản lý cái phiên 4 xin bàn giao lại diễn đàn cho ban tổ chức. Xin mời ban tổ chức tiếp nhận.